Et en fait, je pense que c'était pas dû à l'alcool, mais à une allergie à l'eau. Une allergie à l'eau? Oui, rapport à que j'avais bu de l'alcool, mais la veille du contrôle, oui. Et que le jour où on m'a contrôlé, j'avais bu que de l'eau. Comment ça, l'éthylotest aurait réagi par rapport à une allergie à l'eau? Vous avez bu la veille. Quittez-moi. Merci. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Bah, vous êtes peut-être allergique à l'eau, monsieur. Ah. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous soufflez dans un éthylomètre, le taux qu'il donne, c'est de l'alcool, c'est pas de l'eau. Bah, moi, j'ai l'impression qu'il m'a sorti un taux d'eau, hein, parce que... Ah non, il vous a pas sorti un taux d'eau, non? Non, non. C'était un taux d'eau? Non, 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 du tout. C'est pas un taux d'eau. Vous aviez un taux de combien? En taux d'eau, vous voulez dire? Non, pas en taux d'eau, monsieur, en taux d'alcool. Je vous dis que c'est pas de l'eau. J'avais forcément un taux d'eau, puisque justement... Bon, vous avez soufflé à combien? Un taux d'eau, allez, on va parler d'eau, alors. En taux d'eau, j'étais à 1 gramme. Vous faites un courrier, si vous voulez, en marquant que vous êtes allergique à l'eau et que l'appareil a donné un taux d'eau. Ok. Bon, monsieur, j'arrête là, j'ai autre chose à faire. Ah, oh bah, passez-moi le patron. Bah, vous allez l'avoir. Non, 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 monsieur. Vous avez bu hier soir et puis l'alcool est monté en crescendo et... Une cruche d'eau. C'est quoi? Vous m'avez dit une cruche d'eau? Non, non, j'ai pas dit... Non, j'ai pas dit que la d'eau... J'ai dit que c'est monté crescendo. Donc, en fait, ce que vous me dites, c'est que j'aurais pas dû boire cette cruche d'eau le matin. Non, mais l'eau, monsieur, il y en a rien à faire de l'eau, monsieur. Quand vous dites une cruche, c'est quoi? C'est genre un litre? Attendez, je vous passe une collègue, madame. Ah. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Crescendo, pas une cruche d'eau. Vous avez soufflé positif à l'alcool? Non, c'est ce que je vais expliquer. J'ai soufflé positif à l'eau, je pense. Non, mais monsieur, c'est impossible. Réfléchissez franchement. Est-ce que l'eau est de l'alcool? Non. Ah bah non, ah bah on est d'accord. Mais non, mais monsieur, je suis en train de vous expliquer, monsieur, que si vous avez soufflé dans l'appareil, c'est impossible que ça mesure l'eau, d'accord? Dans ce cas, je passe, comme ça... Pour faire quoi, monsieur? Bah pour que vous me passiez un papier pour que je puisse conduire en attendant de récupérer... Là, ça commence à monter. Alors, attendez, je veux pas vous faire monter crescendo. Oui, monsieur. Oui. Allô? Oui, allô? Ah, bonjour madame. Vous appelez pour? Corriger parce corriger. Que... Corriger? Non, mais dans le sens où au moins que vous reconnaissiez l'erreur. Ben non, moi je reconnais rien du tout, monsieur. Faut faire un écrit. Et alors, effectivement, si vous me faites un écrit, c'est encore mieux, oui, comme vous proposez. Non, pas moi, non, certainement pas, non. Bah si, vous me faites un papier comme quoi il y a une défectuosité sur l'alcotex qui mesure... Ben quoi? Bah une défectuosité. Bah comment je peux le savoir, moi? Ah bah parce que je vous le dis, que moi ça m'a mesuré... Ah, parce que vous êtes spécialiste, monsieur. C'est juste de la logique, hein, dans le sens où... La logique de quoi? Vous avez été contrôlé positif. Oui, mais positif à l'eau, je pense. Positif. Allô, vous faites un écrit, vous expliquez ça. Faites-le vous plutôt. Non, certainement pas, c'est pas à moi de le faire. Bah je vous propose, moi je peux vous... Non, vous me proposez pas, vous me donnez des instructions limite là. Bon bah dans ce cas, ce que vous faites... Vous me dites pas ce que j'ai à faire. Bon, je vous suggère. Mais non. Non mais je vous explique juste ce qu'il faut faire. Il faut que quoi? Non mais vous vous prenez pour qui, monsieur? Qui vous êtes pour me donner des instructions? Bah je vous propose. Ah, monsieur là, vous devenez un petit peu compliqué là, hein. Ça relève d'une pathologie, monsieur. Alors peut-être. Peut-être, bah oui. Non mais peut-être que je suis allergique à l'eau, effectivement. Et d'accord, que c'est ça... Bah voilà. Parfait, bah, responsable mais pas coupable, et puis vous avez été saoulé à l'insu de votre plein gré, comme les sportifs. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis bien chez le fromagiste. Oui, tout à fait. Je vous appelle parce que comme je veux pas remettre mon fils à l'école cette semaine, oui. J'ai fait croire à son collège qu'il était malade parce que vous lui avez vendu un fromage périmé. Ah ouais, ben non, là je suis pas d'accord, vous vous rendez compte? Bah je me rends compte que ça m'arrange, parce que sinon... Non, écoutez, ça c'est pas possible. Non, mais rien de sorcier. Vous déclarifiez que vous avez des problèmes de fromage périmé. Ah mais non, enfin, mais vous rendez compte? Je vais pas dire que je vous ai vendu un fromage périmé alors que je vous ai pas vendu un fromage périmé, mais vous rendez compte? Ah, moi, je peux pas. Moi, je risque d'avoir des ennuis. Non, alors vous aurez quasiment pas d'ennuis en principe. J'ai mon beau-frère qui est spécialisé dans les produits périmés, puisqu'il est périmologue. Oui. Et il me dit que, au pire, vous aurez un contrôle sanitariste. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je vends pas de fromage périmé. Je vois. Ah non, monsieur. Non, mais ça va. Vous aurez peut-être 15 jours de fermeture hygiéniste. Mais vous rendez compte? C'est n'importe quoi. Non, mais monsieur, écoutez, c'est n'importe quoi, là. Bon, je me permets de prendre ça pour un oui. Ah non, je suis pas d'accord. Si vous persistez, moi je porte plainte pour diffamation, monsieur. Comment ça? Quelle diffamation? Bah, vous rendez compte? Vous mentez en disant que votre fils a mangé un fromage périmé de chez moi. Non mais c'est incroyable ça. Bon, entre nous, c'est qu'un demi-mentage, hein, rapport... Vous êtes monsieur? Bah, monsieur Martin. Oui. Ah, un autre monsieur, bonjour. Attendez, monsieur Martin, vous permettez? Je permets, monsieur, je vous en prie. Non mais monsieur Martin. Oui, monsieur. Ça se fait pas, votre fils a été malade parce qu'il a eu un fromage avarié. Voilà, bah vous avez compris, c'est ça. Bah non, attendez, mais ça va ou pas, vous? Non mais en plus, entre nous, vous avez quand même des fromages qui sont un peu... Non mais ça va pas ou quoi? Non mais je veux dire, un peu vieux. Mais vous parlez de quoi, monsieur Martin, alors? Je parle, monsieur, que vous avez des fromages de 12 mois, de 18 mois... Monsieur Martin, ça n'a rien à voir, enfin. Des fromages qui sont affinés 18, 24, 36 mois, les gens ils courent après. Pardon, mais quand j'achète un camembert au supermarché, vous... au bout d'un an, il a quand même une drôle de tête. Mais c'est quoi de cette histoire? Vous vous rendez compte ou pas de ce que vous êtes en train de faire? Alors voilà, pour une fois que je demande un tout petit service... Mais non, il est tout à fait hors de question, monsieur Martin. Dans ce cas, monsieur, je viens mettre une affichette sur votre vitrine pour dire, attention, vieux fromage. Non, mais non, je ne veux pas.
C'est quoi de ça? Bah, c'est quoi de s'il y a quelqu'un de l'école qui passe, il pourra constater. Non, mais vous avez tout ou pas? Oui, j'ai tous les papiers. Je vous passe le patron. Merci, monsieur. Attendez, qu'est-ce que vous me racontez, quoi, là? Bah, bonjour, madame, déjà. Vous m'appelez pourquoi, vous me racontez quoi? Un fromage périmé de chez moi. Voilà. Votre collègue me parlait de vieux fromage de 3 ans. Non, mais foutez-nous, monsieur. Absolument. Donc, je vais venir mettre une affichette sur la vitrine. Sur quelle vitrine? Vous voulez mettre ça? Sur ma vitrine? Oui, c'est ce que je disais. Bah, monsieur, vous mettez ce papier sur ma vitrine. Ah, eh ben on est d'accord, enfin, merci, super, donc je vais passer... Non, vous me mettez pas le papier sur ma vitrine, si je vous vois coller Faudrait savoir quand même, parce que vous me dites oui, après... Monsieur, si je vous vois coller quoi que ce soit sur ma vitrine, qui est une propriété privée, ça va pas bien se passer, monsieur. Non, mais pas de panique, je le mets sur la vitrine, mais extérieur. Je m'en branle que vous le mettiez à l'intérieur ou à l'extérieur. Comment ça, le chambranle? Là, vous me parlez de la porte. Non, pas du tout. Bah si, le chambranle, c'est l'encadrage de la porte. Non. Si, attendez, je demande à mon beau-frère. Monsieur. Martin. Monsieur. Mais Martin, c'est quoi le chambranle? Ah bah c'est l'encadrage de la porte. Je crois que vous délirez, monsieur. Alors, pardon, mais mon beau-frère est portier, donc il s'y connaît en chambranle. Bon, monsieur Martin, je prends vos coordonnées, vous êtes? Bah je suis monsieur Martin. Allez-y. Écoutez, de toute façon, j'arrive. Non, c'est même pas la peine de venir. Bah si, parce qu'il faut quand même que je colle le papier. Bah, venez coller mon papier, je vous en mets une dans la tranche. Comment ça, vous me mettez une tranche? Bah, parce que si c'est une tranche de fromage, pourquoi pas? Merci, au revoir, monsieur. Non, mais pas une vieille tranche, hein, vous me mettez une tranche du jour. Oui, allô? Bonjour madame, c'est bien le café? Pardon? Je disais, bonjour madame. Attendez, je comprends pas, vous pouvez vous dire bonjour madame, j'ai une voix masculine, non? Ouais, bon, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Mais j'ai quand même une voix masculine, pourquoi vous dites bonjour madame? Bah, par politesse, excusez-moi madame. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'ai peut-être une voix de gonzesse, peut-être, mais je suis pas encore homosexuel. C'est pourquoi, monsieur, désolé. Ah non, mais attention, j'ai rien contre l'homosexualité, au contraire, je vous trouve. Non, mais allez-y, dépêchez-vous, j'ai pas le temps, c'est à commun. Ah non, mais attention, je ne juge pas. Bah, vous n'êtes pas là pour juger, moi non plus, c'est pourquoi? Alors, c'est pour que je vais venir mettre de la décoration chez vous pour le nouvel an chinois aujourd'hui. Mais des décorations, je vais vous demander des décorations. Bah non, pas besoin de demander puisque je vous l'apporte. Et c'est pour quelle société ça? Établissement Martin, c'est parce que pour Nouvel An chinois. Établissement Martin, j'en ai pas besoin de votre décoration, monsieur, j'en ai pas besoin. Ah bah j'ai déjà tout réservé. Ah, vous avez tout réservé, j'ai rien demandé, monsieur. Oh là là. Non mais quoi, arrêtez de siffler, hein. Ah bah non, j'ai pas sifflé. Non, mais j'ai entendu. Non, bah ça doit être le téléphone qui résonne. Hein. Non, j'ai pas envie de vous, venez pas, c'est pas le jour. Ah bah c'est-à-dire que c'est prévu, hein, donc... Mais c'est prévu, j'ai rien dit, moi j'ai rien demandé. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Non, je t'ai rien demandé. J'ai quand même fait tout le boulot. Mais vous avez fait tout le boulot, je vous ai rien demandé. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre, merde. Ah mais c'est pas ça, c'est que j'ai déjà fait C'est pas ça, j'ai rien demandé. Bah j'ai pris les réservations, hein. T'as pris des réservations avec qui? Ah bah avec les clients qui veulent venir fêter le nouvel an chinois chez toi. Mais j'en ai rien à foutre, ils vont pas venir ils vont rien foutre chez moi. Ah bah si. Bon bah écoute bien, et viens après-midi. Oui alors, justement. Non, j'ai pas le temps, j'ai non, le boulot. Ce que je veux dire, entre compatriotes, c'est quand même normal qu'on se serre les coudes. Non mais... Allô? Bonjour monsieur. Oui, non mais monsieur, qu'est-ce que vous voulez là? Non mais c'est ce que je disais, entre chinois, c'est quand même normal qu'on se serre un petit peu les coudes. Ouais, on n'est pas des chinois, nous, entre chinois, quoi. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là? Bah si, vous êtes chinois. Bah non, je ne suis pas chinoise, mais vous êtes malade ou quoi? Bah, la personne que j'avais avant, là... Bah c'est pas un chinois non plus, hein. Ah si. Quoi si, non, c'est pas un chinois. Excusez-moi, je crois qu'il est chinois, hein. Oh, écoutez, il est pas chinois, mon mari, alors arrêtez, vous êtes vraiment cinglé. Jurez-le. Quoi, je jure qu'il est pas chinois, non mais vous êtes malade ou quoi? Ouais, c'est ça, oui. Je sais quand même reconnaître l'accent chinois. Ouais, c'est ça. Allez, arrêtez de nous faire chier. Ah, moi, on m'a juré qu'il était chinois, hein, donc... On vous a juré qu'il était chinois, allez. Ah bah j'ai la preuve. Vous avez la preuve de quoi? Bah que vous êtes chinois. Que vous... Allez, fermez votre gueule. Ah bah non, mais excusez-moi. Non, mais vous êtes vraiment cinglé. Ah non, pas du tout. J'ai quelqu'un qui vous a pris en photo en train de manger du riz l'autre fois. Il nous a pris en train de manger du riz. Ah! Vous êtes vraiment un cinglé, vous êtes un abruti. Ah bah, c'est pas la preuve, ça, on peut-être. On dit toujours les plus fous sont en liberté, mais vous y faites partie. Donc. Quoi donc? Qu'est-ce que vous voulez? Espèce d'abruti. C'est celui qui dit qui est, non mais attends. Fermez vos gueules et puis c'est tout. Ah bravo l'esprit du nouvel an. Bon, c'est rien, vous êtes sur écoute là. Ah bah moi c'est aussi je suis sur écoute, oui. Vous aussi, bah c'est bien. On m'a pris en photo en train de manger tout. Allô? J'ai dit, vous êtes sur écoute. Ah bah moi aussi. Je suis toujours là et je vous entends, hein. Votre mari est chinois. Je sais que votre mari est chinois, je vous entends, hein. Ah, bah voilà l'autre chinoise, non? Non mais bon, t'inquiète pas, mais tu viens à 2h, j'appelle les flics. Comme ça, on va régulariser la situation. Non mais excuse-moi, je dis... M'emmerde pas, mon gars. M'emmerde pas, c'est pas le jour. Entre chinois, on peut quand même... Ah, tu vois, chinois. Je vais faire des chinoiseries, moi. Non, alors t'inquiète, pour les chinoiseries, j'ai tout prévu. Non, mais non. Ah mais si. Mais non. Arrête. Je rapporte le riz cantonais. Arrête. J'ai aussi des nems. Arrête. M'emmerde pas. Arrête. J'ai du nougat. J'ai mis tête dans le bout de pied, alors arrête. Ah, et là tu vas me dire que t'es pas en train de me parler chinois. Arrête, je te dis. Non mais. Arrête de m'emmerder. Oh, j'ai oublié, les chips crevettes, c'est cadeau. Elle m'attraque à les potes, m'a fusé aussi. Allez. Bonjour monsieur, c'est bien le supermarché? Oui. Enchanté, monsieur Martin, à l'appareil. Oui. J'ai acheté une raclette chez vous. Oui. Une catastrophe. Comment ça? Il me fallait une raclette pour gratter le fromage fondu dans l'appareil, vous voyez? Ouais,
une cuillère en bois. Oula, comment ça en bois? C'est des cuillères en bois, les raclettes comme vous dites. Pas du tout, la vôtre elle est en plastique avec une espèce de longue bande en caoutchouc noir et c'est accroché à un manche à balai. Bah c'est pas une raclette à fromage, voyons. Ah. Forcément vous avez pris une raclette à vitre, monsieur Martin. Oh là là, oui, d'accord, donc vous m'avez vendu un truc pas adapté du tout et maintenant... Mais moi je vous ai rien vendu, vous avez pris quelque chose qu'il fallait pas. Quelque chose qu'il fallait pas, mais quelque chose qui était marqué raclette dessus. Mais même si c'est marqué raclette, monsieur, c'est une raclette. Ah bah non. Ah si. Ah mais certainement pas, déjà j'ai goûté le plastique fondu, il est absolument pas comestible. Bah évidemment que c'est pas comestible, vous avez pris ça dans le DPH. Non, j'ai pris ça dans le magasin, c'est quoi le DPH? Produits d'hygiène et d'entretien. Alors déjà, pourquoi vous rangez les trucs à fromage dans les produits d'hygiène, ça? Mais c'est pas un truc à fromage, monsieur, c'est une raclette à vitre, c'est une raclette. Ouais bah votre raclette, elle m'a tout bousillé mon service à raclette. Non mais franchement monsieur, pourquoi vous avez pas demandé au caissier? Ah mais j'ai demandé, j'ai dit ça c'est une raclette, il m'a dit oui, ça c'est une raclette. Vous avez demandé si c'était une raclette? Bah oui, c'est une raclette que vous avez achetée. On est donc bien d'accord. Bah c'est clair. Est-ce que vous pouvez me laisser vos coordonnées, s'il vous plaît? Mais absolument. Alors, 1, 2, 3. Non, votre numéro de téléphone, monsieur. Oui, c'est mon numéro personnel. Donc, 1, 2, 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. 7. Oui. 8. Oui. 9. Oui. Et 10. Et 10. C'est votre numéro de téléphone. Oui, attendez, je vous ai donné quoi? Vous m'avez donné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est bien ça, oui. D'accord. Écoutez, vous venez au magasin. Non, il faudrait que vous m'envoyiez quelqu'un plutôt. Mais moi, je vous envoie personne, monsieur Martin, j'ai pas de temps à perdre. Bah oui, mais j'organise une reconstitution de l'incident. Attendez, je vais vous passer le gérant, monsieur. Merci, monsieur. Tu peux prendre monsieur Martin avec sa raquette à vide qui veut que j'aille chez lui Allô? Bonjour, madame, vous êtes la responsable? Ouais, mais bonjour, monsieur. Ok, donc c'est vous qui allez vous déplacer. Comment? C'est ce que je disais, j'organise une reconstitution chez moi. Mais quelle reconstitution? Constitution, c'est pas un meurtre. Vous m'avez quand même flingué toutes mes petites poêles à raclette. Oui, donc, déjà, venez avec ta poêle et la raclette. Et pourquoi c'est moi qui dois venir? Bah, ça paraît logique, non? Bah non, vu que c'est moi qui reconstitutionne. Non, alors, je vous répète, arrêtez de me prendre pour un con. Ah non, le con, c'est moi. Vous allez vous dépasser dans mon magasin, puis on va régler le problème. Ok, faut que j'apporte le fromage aussi, ou vous en avez? Vous comprenez ce que je vous dis? Vous êtes à la retraite, vous travaillez? Bon, un peu les deux, pourquoi? Ouais, vous faites les deux, ouais. Si j'ai un problème, vous prenez vos trucs, vous venez au magasin et vous venez parler en face. Arrêtez d'afficher les gens. Ah, c'est la personne d'avant? Oui, c'est la personne d'avant, oui. Ouais, bonjour monsieur. Je suis une madame, je suis pas un monsieur déjà. Vous êtes sûr? Déjà, que... vous nous appelez, vous nous cassez les couilles à appeler. Ah, donc c'est un monsieur. Ah, il faut arrêter au bout d'un moment donné. Bah, pardon, mais si vous avez des testicules. Venez nous parler en face ou alors vous fermez votre bouche. Ou alors. C'est tout? Non, ou alors vous venez à la maison et on refait cramer ma poêle pour montrer à la science. Y a aucun problème, on va se déplacer puisque vous voulez foutre la merde, on va se déplacer, y a pas de problème. Ah, quand même. Donnez-nous vos coordonnées dans ces cas-là. Alors, je suis au 1. Ouais. Rue Martin. En rue Martin, où ça? À Martinville. Ah bah, c'est bizarre, monsieur Martin, rue Martin. Exactement, je vous attends pour quelle heure? À la Saint-Martin, je serai là. Ah, impossible! La Saint-Martin, c'est la fête nationale martinlandaise. Bah oui, bien sûr. On peut faire ça à la Sainte-Martine, en revanche. Au bout d'un moment donné, il faut arrêter de nous faire chier. Vous savez quoi? Je mets une option sur la Sainte-Martine. Vous me rappelez pour confirmer? Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Bon, je vous redonne mon numéro au cas où. 1, 2, 3. Ouais, arrêtez. 4, 5, 6. Oui, allô? Bonjour monsieur, c'est bien le plombier? Oui. Vu que le gaz a augmenté là au début du mois, moi j'en ai mis de côté avant l'augmentation, vous voyez? D'accord. Et maintenant j'aurais besoin qu'on me le remette dans ma chaudière et dans ma cuisinière. D'accord, c'est monsieur comment? Vous allez me passer monsieur comment? Non, vous c'est monsieur comment? Non, moi c'est pas monsieur comment, moi c'est monsieur Martin, mais je veux bien parler à ce monsieur comment? Non, je vous demandais comment vous appelez, donc j'ai dit vous appelez monsieur comment? Non, pas du tout, non. Non, il y a pas de monsieur comment. Il n'est plus là. Mais non, c'est parce que je vous posais la question, j'ai dit vous êtes monsieur comment? Ah non, je ne suis pas monsieur comment moi. Monsieur, il y a pas monsieur comment? Ah, il n'y a plus de monsieur comment? Rappelez-vous. Non, il n'y a pas de monsieur comment. Excusez-moi, j'attrape un fou rire parce que je vous demandais votre nom de famille en fait. Vous êtes monsieur comment? Ah mais non. Halt, vous vous trompez encore une fois. Hein. Non, mais je sais que il y a vraiment un quiproquo, je vous demandais. Guiproquo. Quiproquo. Guy, le prénom Guy? Mais non, monsieur, il n'y a pas de guiproquo. Lui, il travaille avec monsieur comment? Non. Allô? Alors, non, on va revenir. Monsieur Guiproquo n'existe pas, donc je vais vous passer le gérant de la société. Il travaille aussi bien que les deux autres? Tout à fait. Ah oui, il travaille aussi bien que monsieur Guiproquo et que monsieur comment? D'accord, bah dans ce cas, je veux bien lui parler, oui. Bon. Oui, allô? Allô, oui, bonjour madame. Oui? Moi j'ai fait des réserves de gaz. Ouais. Avant que le prix augmente là au début du mois. Bah c'est... On peut pas stocker du gaz. Et vous avez fait comment pour mettre le gaz? Dans quoi vous l'avez mis? Dans des ballons que j'ai gonflés successivement en mettant au bout du tuyau, vous voyez. J'ai jamais entendu parler de ça moi. J'ai mon dépanneur qui est là. Et là, attendez, je vous le passe parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Hein. Gaz dans le ballon. Oui, allô? Ah, c'est une autre dame, pardon. Vous l'avez stocké dans quoi? Dites-moi. Bah dans des ballons, c'est ce que j'expliquais à Dans des ballons? Oui. Ça va vous servir à quoi? À rien. C'est interdit en plus. Quel
quelle sorte de ballon, monsieur? Bah, des ballons gonflables, des ballons de baudruche. Du stockage dans un ballon de baudruche, j'ai jamais vu ça. Le gaz, c'est pas du MacGyver, hein, c'est pas un truc à faire au pif, hein, pour les faire exploser la maison, quoi. Ah, bah, c'est pour ça que je demandais à un professionnel, effectivement. Non, mais ouais, mais vous avez beau demander à un professionnel. Celle-là, on me l'a jamais fait, celle-là, elle est raide, je vous le dis. J'ai jamais vu ça. Oui, non, bah, c'est parce que vous êtes pas bricoliste. Ah, non, je suis pas bricoliste. C'est avec le gaz, non, je suis pas bricoliste, c'est sûr. Ah, bah, voilà, c'est ça. C'est un fou, hein. C'est un fou, hein. C'est pas possible. Bah, pourquoi? Bah, je vous repasse à le responsable. Ah, merci. Allô? Oui, bonjour madame, on devait me passer le responsable. Ouais, et alors qu'est-ce que vous voulez là? C'est ce que j'expliquais. Moi j'ai rempli des petits ballons avec du gaz. Oui, mais moi je m'en fous de tout ça, ça m'intéresse pas. Bah si. Pourquoi? Bah parce que comme ça vous allez m'aider à...